Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo pour remercier Monsieur Papacito sur TV Liberté. Il a parlé de Louis XX en disant qu'il fallait que la. Il a fait une très belle petite allocution. Ça dure à peu près une minute où il explique très bien la lumière, la République, etc. Et il parle de Louis XX, donc on le soutient et merci infiniment. C'est vraiment une personne très très merveilleuse, très intelligente. Je suis quelqu'un d'assez particulier, j'apprécie énormément l'intelligence quand je la remarque, et qui est surtout plus importante que chez moi. Je trouve ça très reposant, c'est très reposant. Et je comprends pourquoi il portait des lunettes de soleil. Je pense que c'est son épouse qui lui a demandé, parce que quand il enlève ses lunettes de soleil, alors c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui est très, très costaud, quoi. Mais ses yeux, c'est du velours et c'est de l'intelligence. Donc les dames doivent, je pense, un peu craquer quand même. Voilà, donc Papacito, c'est merveilleux. Je pense qu'en Royaume de France, il serait, je ne sais pas, ministre des gauchistes, je pense que ce serait pas mal, avec des séjours au Venezuela ou en Afghanistan, etc. Parce que ce sont des gens qui aiment tout le monde et qui aiment toutes les civilisations. Donc l'exil dans ces pays-là, ce serait pas mal, ça forme, je pense que ça formerait. Voilà, enfin bref, merci infiniment, monsieur Papacito, pour votre courage, pour votre humour, et puis tout notre soutien. Et cette histoire avec Mélenchon, c'était absolument incroyable. Moi, je l'ai vu, cette vidéo, je l'ai trouvée très drôle. J'ai pas du tout trouvé, au contraire, c'était, vous avez expliqué aux gens de gauche qui mangeaient du quinoa comment se protéger contre les fusils. J'ai trouvé ça très amusant. Enfin, voilà. Donc, merci infiniment. Et puis, bon courage à vous. Et puis, on prie bien pour vous. Union de prière, parce que vous êtes catholique. Voilà. Bravo. À très bientôt à tous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Notre-Dame de Boulogne, Notre-Dame de France, tous les saints et les saintes de France, tous les saints et les saintes de la famille royale, tous les saints et les saintes de l'univers, priez pour nous, pour la famille de France. Prions beaucoup pour la famille de France et prions beaucoup les uns pour les autres. À très bientôt, Deus et Rex.